Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté, du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir donc toutes mes vidéos. Et puis également, donc vous pouvez cliquer sur la cloche, comme ça vous serez informé des nouvelles notifications quand je publierai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est simplement le fait que pour pouvoir vous réveiller facilement et éviter d'avoir la tête dans le brouillard, parce que souvent c'est le cas le matin, hein, donc on n'est pas bien réveillé, et ce qu'on a tendance à faire, c'est à boire un café en pensant que c'est ça qui va nous mettre en forme. Alors que souvent le café, ça a des avantages de nous mettre en forme effectivement pendant quelques temps, pendant une heure et demie, deux heures, et puis après on a de nouveau besoin de café, de caféine. Et ce qui fait qu'on devient dépendant très, très rapidement de ça. Donc c'est pas forcément, je dirais, la meilleure chose à faire. Alors qu'il y a simplement une technique simple que moi j'utilise pour me réveiller le matin. Ça me permet surtout de tout de suite m'éveiller, de tout de suite me rendre compte que ça sert à rien quelque part de me recoucher. Donc en fait j'ouvre ma fenêtre. Et puis je profite de l'air extérieur, donc je reste comme ça pendant une minute, deux minutes. Après bien sûr ça dépend si il fait froid ou pas, hein. C'est sûr que s'il pleut, s'il y a beaucoup de vent, vous restez peu, hein, peu de vent. Mais après si jamais il fait beau, il y a un grand soleil, etc. Profitez de l'air pendant quelques minutes depuis votre fenêtre. Ou même l'idéal, si vous avez donc un jardin, de l'espace vert autour de chez vous, l'idéal c'est carrément de déjeuner à l'extérieur. Mais surtout, il faut le faire dès que vous êtes levé. La première chose à faire après vous êtes bien étiré, etc., c'est justement d'ouvrir la fenêtre en grand et de profiter de l'air pendant quelques minutes. Donc le mieux c'est d'avoir pour ça une pièce qui donne quand même sur quelque chose d'agréable, donc sur des espaces verts, hein, sur un jardin, sur de la nature, plutôt que sur un grand boulevard où il y a des voitures qui passent. Parce que c'est sûr que si vous ouvrez la fenêtre et puis que vous êtes pollué par les bruits de voiture, par la pollution des voitures, etc., c'est pas forcément l'idéal. Mais si jamais c'est un endroit quand même plutôt sympathique, je pense que choisissez, je dirais, la meilleure pièce pour ça. Et ça vous permettra comme ça de bien commencer votre journée. Et rien que ce geste là, déjà ça va vous réveiller. Et ça va vous mettre dans de bonnes conditions pour bien débuter votre journée. Donc likez la vidéo, mettez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis également, vous pouvez aller voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ma page Facebook ou Twitter en tapant argent ou liberté. Et puis quant à moi, donc je vous dis à très bientôt, hein, pour de nouvelles vidéos. Ciao !